Salut, c'est Valence. Vous écoutez shot.ca. Dans la vie, il y a eu plusieurs retours. Il y a 2000 ans, Jésus est revenu. Il y a environ 70 ans, après avoir scellé un coup de poing à un arbitre de la Ligue nationale, Maurice Richard est de retour. Et le 23 juin 2022, Richard Louemba est de retour! Yeah! Ça fait du bien revenir à la maison. Yes, sir! Le roi Richard. Bonjour à tous, tous et toutes, et bienvenue à la troisième demi. Je m'appelle Mathieu Destoux, et comme d'habitude, j'ai avec moi Simon Paquette. Yes, fidèle Destrier. Le retour de Richard Louemba Junior. Et j'ai mon coloc, Pierre Destoux. Ouais, moi aussi, je suis revenu. Yes! T'es jamais vraiment parti avec les appels, Pierre. C'est vrai, non, c'est ça, mais c'est ça. Là, j'ai mis mon jersey de la KHL, du Dynamo de Moscou, tout va bien. je t'haïs tellement. C'est mon wow. En même temps, ça sert à rien de le porter ici. On a plus le droit d'avoir des gens de la Russie puis de la Biélorussie. C'est un chair de l'Ajax, c'est vraiment beau. C'est vrai qu'il est très bien. On a un commanditaire cette semaine. Oui? Oui, c'est ce bruit-là. Ah! C'est notre commanditaire de la semaine. Ah, c'est un son? All right. Ben non, moi aussi, j'ai un commanditaire. Non, c'était quelqu'un qui buvait une sangria maladroitement. OK. Ben, t'es un homme de parole, hein? Je suis un homme de parole. Attends. T'es un homme de parole. Je suis un homme de parole. Yes. Bon. Le message est passé. Parfait. Moi aussi, j'ai un commanditaire cette semaine. C'est vrai? Ouais, c'est mon équipe de balle, les Beyond Meat. ouais. Ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant. Je vais encore clipper ça. Je vais leur envoyer parce qu'on a un énorme reach à Choc. Fait que les Beyond Meat, on joue dans la Ligue du Plateau, souvent à la fin de semaine, au Parc La Fontaine. Viendrez nous voir. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. On n'est pas très très bon, on n'est pas très très fort, mais on est très très gentil. Mais vous avez le meilleur nom. On a. Ouais. Mais les noms d'équipe de Ligue de Balmol, il y en a des bons d'habitude. Ouais, 100% pour vrai. Nos ennemis jurés où le Destroyer joue dedans s'appellent les Mangeux de Marbre. Ben, t'es, voilà. c'est quand même un bon jeu de mots. Mais je pense quand même que Beyond Meat, c'est mieux. Fait que je les salue tous. Surtout Charles Ferland, je sais pas. Hein? Allô, bisous, Charles. On a-tu un autre commanditaire cette semaine? Non, je pense que c'est tout. C'est tout? Les mocktails. Ouais. En général. Ben, shout-out à tous les Shirley Temple de Savon. Oui. Mm-hmm. Les Feeling Peachy. Feeling Peachy. Ouais. Sinon, pour commencer sur les chapeaux de roue, la semaine dernière, j'avais annoncé la rumeur la plus vague de tous les temps. Oui. Que j'ai dit que Columbus aurait dans la mire un attaquant de la première ligue anglaise. Eh bien, cette semaine, Columbus ont signé un attaquant de la première ligue anglaise. Eh oui, bravo. Je te remercie. Vous l'aurez appris ici. Merci. Bravo. Merci. Effectivement, Columbus ont mis la main sur Cucho Hernandez, un attaquant de 23 ans qui évoluait du côté de Watford, qui a été acquis pour un montant de 10 millions d'euros. Il vaut 9,9 millions d'euros. Fait que c'est pas mal, spot on. Ouais, ils ont sauvé 100 000. Ils ont sauvé 100 000. Sinon, j'aimerais qu'on fasse une bonne main d'applaudissement pour Mo Farsi, qui a fait sa première apparition à MLS. Ouais, bravo. Bravo, Mo. Bravo, Mo. Sinon, ben, tu sais, on va continuer dans les bonnes nouvelles canadiennes. Ça bouge en CPL avec un autre transfert extra-ligue, avec le transfert du défenseur gauche de York United de 23 ans, Diadine Abzi, vers le Pau FC en Ligue 2 française, et aussi Victor Lottori, qui passe du Cavalry à Ross Country du côté de l'Écosse. Donc, pour vrai, c'était le septième transfert extra-ligue de la CPL en 3 ans, si je ne m'abuse. Ouais, ça ressemble à ça. Ça commence à faire ses preuves, là. C'est le fun. Il y a quelque chose qui se passe. Enfin. Moi, ça bouge. Ça me fait un petit baume sur le cœur, sachant que le projet marche, puis il pourrait peut-être marcher, je sais pas, à Trois-Rivières, Sherbrooke. On demandera à Pierre de nous rappeler pour nous en parler à la station. Tu peux te faire comme Dom Massy puis aller dehors et nous appeler? Non, mais je peux vous en parler. Il n'y a toujours pas d'équipe à CPL. Okay? C'est vrai. Voilà. Bon, mais vous l'avez apprécié. C'est une primeur. C'est une primeur. Attends, Pierre, t'as quel mic? Parce qu'on dirait que t'es genre 8 pieds. Je sais pas. C'est celui-là, plus? Non, bon, t'étais le bon. C'est vrai. Bon. C'est juste la station de Pocacan. Bon. Sinon, on a annoncé les villes hôtes de la Coupe du Monde de 2026. Ouais. Avec seulement deux villes canadiennes, soit Toronto au BMO Field et Vancouver au BC Pro.
place. Montréal n'est pas là. Ouais. Ah. Finalement, j'aimais mieux quand t'étais pas là. Ah, finalement, je rappelle la dure réalité. Je peux m'en aller si tu veux. Non. Mais sinon, du côté de la côte est américaine, on a Boston, East Rutherford avec le MetLife Stadium au New Jersey. On a Philadelphie, Atlanta et Miami. Au milieu des États-Unis, on a Kansas, Dallas et Houston. Et sur la côte ouest, on a Seattle, Santa Clara avec le Levy Stadium, et Los Angeles avec le SoFi Stadium. Et on a trois villes au Mexique avec Monterrey, Guadalajara. Et Mexico City avec l'Azteca. Mais ça, Monterrey, plus beau stade au monde. La montagne, la vue. C'est magnifique. Tout est incroyable. La vue, en tout cas. Mais l'événement est incroyable. L'événement est incroyable. Mais ça, pas d'autres villes canadiennes à part deux villes, mais on espérait être à Edmonton, mais ça se donnera pas. Sinon, oui. J'ai peut-être quelque chose là-dessus, moi, les gars. Où est-ce que vous voyez la finale? Et là, là. Dans tout ça. Ça va être aux États. Ça va sûrement être à LA. Ça va être à Dallas. Dallas. OK, bah, je vais dire que ça va être à Cincinnati. Il n'y a pas à Vegas aussi? Non, mais c'est entre Vegas et Chambly. Ouais. Ça va être une ville entre ces deux villes-là. Ouais. Quelque part. Sinon, ils ont roulé un ordinateur pour la Coupe du Monde de 2022. Oh. Puis après 1000 simulations, ils ont comptabilisé les stats et ils ont sorti les pourcentages de chances chaque pays gagne. Mm-hmm. Et il y a trois pays qui sont à 0,000% de chance. Donc, ils n'ont aucune chance. Ouais. C'est le Cameroun, l'Arabie Saoudite et le Costa Rica. Et donc, si vous écoutez bien, ça veut dire que le Canada a des chances selon cet ordinateur-là. Alors, effectivement, juste en haut d'eux autres, à 0,01% de chance, le Canada! Yes! Yes, sir! Et les grands gagnants à quasiment 18% sont la France, en tout cas. Ben, ça reste bien un ordinateur. Hein. Sous-estimez-nous. Ouais, continuez. Microsoft. C'est clair. Bill Gates got you. Hein. Ouais. Sinon, pour les résultats en PLSQ féminine cette semaine. J'adore ça. Ben ouais, j'ai tellement hâte que tu me parles de Montreal Outremont. Sinon, je peux te parler de Ottawa South United. Ouais, c'est ça, exact. Qui ont gagné 4-3 contre les Celtics de Richelieu, de Richard. Le FC Laval a gagné 3-2 contre le Royal Select de Beauport. La S Blainville a gagné 3-0 contre le programme Excel féminin. Le CF Montreal Outremont a gagné 1-0 contre le Pierrefonds FC. La S Laval a gagné contre les Rapides de Chaudière-Ouest. Et le CS Longueuil a fait match nul contre le CS Saint-Hubert. Et du côté des garçons, Longueuil a gagné 2-1 contre le CF Montréal. En revanche, les Celtics du Rouge Richelieu ont gagné 1-0 contre le CS Saint-Hubert. Merci les gars. Merci. La S Laval a gagné 2-1 contre le CS Lanaudière Nord. Ça, c'est supposé être moi qui ai fâché. Le CS Montreal Soccer Club a gagné 2-1 contre le S. Je m'attendrai jamais. Le Royal Select Beauport a gagné 2-0 contre Ottawa United. Et le FC Laval a remporté 2-0 contre le CS Saint-Laurent. Voilà, c'était les résultats du côté de la PLSQ masculine et féminine. Incroyable. On dirait qu'à chaque semaine, ça devient de plus en plus chaotique. À un moment donné, je vais juste faire des bruits. Ah, je pense qu'ils ont gagné un. Ils ont-ils mis leur classement à jour? Non. Parfait. Bonne affaire. Non. Parce que, hey, pour vrai, on essaye fort de vous donner de la visibilité. Mais c'est difficile. C'est très difficile, gars. Envoyez-nous des billets à donner, on va le faire. Oui. Même, je pense que c'est gratuit. C'est gratuit. Ouais, c'est ça. Ah, bon. Envoyez-nous des billets. Updatez votre classement. Regardez le tailgate, on va venir. Oui. Updatez votre classement, puis on va être là. On va venir. Oui. Sinon, du côté d'Orlando, Alexandre Pato serait en train de faire ses valises pour le Fluminense FC parce que ça a l'air qu'il a reçu une offre de 2 millions de dollars et pour un joueur de 36 ans, tu prends l'offre de 2 millions de dollars. Ouais, c'est clair. Long, hein? Ouais, non. Sinon, Sam Nicholson, ailier gauche évoluant du côté de Bristol Rovers en Angleterre, est de retour dans son ancien club du Rapid du Colorado et ce gratuitement. Donc, ils l'ont vendu 800 000 et un an et demi plus tard, il revient gratuitement. On a fait la même chose avec Balou, non? De le vendre. OK, parfait. On va s'arrêter là, je pense. OK, c'est bon. Sinon, même si jaillit Real Madrid, je respecte Gareth Bale. Et Gareth Bale, cette semaine, a été ajouté à la section des légendes du club du Real Madrid. Donc, un petit bombe sur le cœur pour lui. Sinon, j'avais annoncé le transfert de Sonny Kittle du côté de la MLS la semaine passée, qui était relié avec trois équipes. Les pourparlers étaient très, très, très avancés avec DC United. Et finalement, il a décidé, non, ça me tente pas. Il est pas là. Il retourne en beau. Ouais.
Et même affaire pour un autre Allemand, Mario Götze, qui était linké avec l'Inter Miami, qui a fait « Non, m'en va à Frankfurt ouais. ». Fait que tout ça, c'est, ça n'a rien servi que je vous en parle la semaine passée. Puis ça. Fait que c'est super cool. Ben, c'est cette époque-là de l'année, là, hein, c'est ce moment-là de l'année où il y a des rumeurs. C'est clair. C'est mais il y a une rumeur, par exemple, une rumeur là, à Montréal là, que j'ai lue juste avant de rentrer. Là. Que Jimmy Briand serait intéressé à revenir à Montréal. Non, mais on dirait que là, ben, je sais pas si vous avez vu la nouvelle, là, que Briand n'a pas été prolongé dans son club actuel en France. Mm-hmm. Fait que, puis là, il a comme mis un beau message d'au revoir aux fans, puis un peu envoyé chier le coach en même temps. Fait qu'on dirait que là, ça nous montre le vrai visage de Jimmy. Là. Les gens sur les réseaux sociaux commencent à se délier la bouche et à parler de lui en mal. On a vraiment dodge the bullet avec lui, finalement. Pour vrai, je pense que c'est une bonne chose qu'il soit pas venu. Ouais. Ah, je pense qu'on va avoir un appel dans pas long, fait que je vais y aller avec ma dernière nouvelle. Parfait. Donc, nouvelle intéressante, Isaiah Foster, un défenseur gauche de 18 ans qui joue pour le Switchback FC en division inférieure américaine, serait en contact avec 7 équipes de la MLS. Ben voyons. Fait que Oli... OK? On n'a personne à gauche, c'est mieux que Mustapha Kiza, OK? Ouais. Il prend pas de place internationale, hein? Je sais pas. Non, on n'a toujours pas d'appel. Pas d'appel encore. Non. Fait que sinon, samedi dernier, on avait un match contre Austin FC. Ouais. 1-0. Hey. Un but de Maxi Urruti. C'est dommage parce que dans les 10 premières minutes, on était vraiment bon et menaçant. Mm. Et finalement, malgré un carton rouge à 43e, 8 occasions de Kay Camara. Fallait en profiter. Fallait en profiter. Ça, on a pas su en profiter. Ouais. Est-ce que vous avez écouté le match, vous autres? Ouais, ouais, j'ai écouté. Vos impressions? Ben, décevant. Là. C'est un match frustrant à regarder, je pense. C'est... En fait, c'est que j'ai juste des flashbacks en noir et blanc du CF Montréal de toutes ces dernières années, là, où ils commencent fort leur saison, puis après ça, il y a un passage à vide. Là. Oh, un appel. Un appel. La troisième demi, bonjour. C'est-tu Cristiano Ronaldo? Oui, est-ce qu'on parle bien à CHL? Est-ce que vous voulez kicker d'autres enfantistes à Everton? Ici Cristiano Ronaldo. Hey. Monsieur Ronaldo, tu es un honneur pour ça. Monsieur Ronaldo, j'aurais une question, moi. Est-ce que vous êtes dans la section légende du Real Madrid sur Internet ou c'est juste Gareth Bale? Oh, laissez-moi aller vérifier. Je reconnais pas trop l'accent portugais, mais... Est-ce que vous avez un transfert anglais à nous annoncer? Est-ce que je peux faire ma chronique? Bien oui. Sûr. Oui, monsieur Ronaldo. Super. On peut t'appeler Cri-Cri? Oui. OK, oui, c'est bon. Merci. Alors, je veux vous parler... Je sais pas comment ça parle, un portugais. C'est quoi l'accent? Je vais te faire l'accent, moi, tu vois. Oh, shit. Je vais vous parler de Yves Bissouma. Oh. Yves Bissouma, c'est un milieu de terrain de 25 ans. Il va avoir 26 ans au début de la saison prochaine. C'est un milieu central défensif, un international malien. Et mon cœur saigne beaucoup parce que ce joueur-là va quitter Brighton le 1er juillet prochain pour joindre les Tottenham Hotspurs pour 30 millions d'euros. Honnêtement, c'est une aubaine. Il était sur mon 11 de l'année dernière quand je suis allé aux Trois Lions avec mes collègues Étienne, Justine et Bruno. Mm-hmm. L'année dernière, Yves Bissouma a fait un but et deux passes, mais c'est pas sa force. Ce qu'on lui demande, c'est vraiment d'aller récupérer des ballons et de faire la sentinelle en milieu de terrain. Ses aptitudes en tacle sont excellentes. Il intercepte énormément beaucoup de ballons également. C'est pas un mauvais dribbleur non plus. Un des gros problèmes dans son jeu, c'est sa discipline. En fait, il a pas manqué beaucoup de matchs en Premier League l'année dernière, mais Yves Bissouma, quand il a manqué des matchs, c'était pour une accumulation de cartons jaunes, souvent. A manqué, je pense, 4 ou 6 matchs là, dans l'année à cause de ça. Là, c'est quand même beaucoup. Pas de straight red, mais beaucoup de cartons jaunes accumulés.
Et un peu 6, là, une vraie sentinelle, c'est ce qui manque aux Spurs. On a beaucoup de bons joueurs en milieu de terrain, mais pas nécessairement quelqu'un qui va aller gratter des ballons dans cet effectif-là. Il va être primordial et c'est vraiment, vraiment une belle signature. Je sais pas ce que Brighton va faire ou va aller chercher pour sortir, pour remplacer ce grand joueur-là. Monsieur Ronaldo, est-ce que vous avez le temps d'une question? Oui, si on a des questions pour vous sur Facebook. Ah. Ben en fait, c'est plus un conseil. Il y a Annabelle Garon qui dit de ne pas oublier vos clés, votre sel et votre vape. Oui. Mais tant qu'à avoir personne. Yes. Super, Anne. Ben merci, monsieur Ronaldo. Oui, merci. Bisous, hey, bonjour, plus, les gars, je vous écoute toutes les semaines. Hein. Ah, ben t'es bien fin. Si tu gagnes un t-shirt. Cri-cri, t'es bien fin. Alright. Est-ce qu'on va avoir un dernier si? Salut. Ça ressemblait à un message de Père Noël préenregistré. Yes. Puis en plus, je pense, toi tu l'aimes, Bissouma, si je me rappelle bien. Je suis un fan de ce gars-là. Parce que Bissouma, si je me rappelle bien, il a perdu la Coupe des Nations de l'Afrique contre le Congo en finale en 2016. Fait que. Ouais. Quand on perd contre le Congo, on aime ça. C'est ça? Pas de commentaire. Ah! Parfait. T'en regrettes-tu d'être revenu déjà puis tu te fais roaster? Non, pas du tout. Je regrette vraiment pas. Là. Yes. C'est ça. Fait qu'à la 43e, carton rouge. carton rouge de la part de Pereira. Suite à deux tacles, un sur Victor Wanyama et sur Mathieu Chouanière. Deux tacles vraiment inutiles, selon moi. Ben, celui sur Victor, je peux le comprendre parce qu'il partait comme seul contre deux défenseurs. Ouais. Mais l'autre, Mathieu, qui était à la défense, puis il fait juste le ramasser. C'est un peu inutile, mais on n'a pas su en profiter de ça. Que, non. En tout cas, c'est un peu plate. Il manque Georgie. Tu vois qu'il manque cette étincelle offensive, puis ça paraissait. Même Matko, je trouvais qu'il était un petit peu nonchalant à certaines reprises, puis il manquait un peu de constance. Il faisait des bonnes passes à certains moments, mais il y a eu des phases où il aurait pu juste comme la mettre dedans ou juste comme faire la passe pour créer cette action, mais ça n'a pas été le cas. Là, donc, Excusez, j'en ai réalisé, on a reçu Cristiano Ronaldo. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. J'espère qu'on va recevoir Messi. J'ai tellement hâte que Messi appelle la semaine prochaine. Messi, si c'est juste un gars qui n'est pas capable d'atteindre le téléphone à cause qu'il est trop petit. Oh là là, mon Dieu, ok, shots fired sur Messi. T'as rien fait, Messi, là. Ben effectivement, il fait rien depuis qu'il était... En tout cas. Oh là ben là. Non, il m'a rien fait, il a rien fait à personne. C'est vrai. Okay. Fait que c'est ça, Maxi, ben oui, ouais. Maxi, yeah, il nous a compté ça dans Rosario. Ça fait mal. Surtout le voir danser avec Felipe après, là. Ouais. C'est comme les deux qui nous niaisent solide dans ce moment-là. En même temps, j'aurais probablement fait la même chose si j'étais à leur place. Là. Oh, c'est, solidement. C'est clair. Là. Puis comme, ben c'est juste frustrant parce qu'on a l'impression d'avoir comme assez dominé ce match-là, mais qu'on s'est quand même fait avoir. Puis après ça aussi, je pense moi qu'est-ce qui m'éprise le plus, là, c'est de retomber sur les réseaux sociaux après puis de voir toutes les personnes qui sont tellement de mauvaise foi avec le club. Là. Des fafans. Ouais, les fafans. Les fafans, tu mets déjà la tête à Wilfried Nancy. J'étais comme, non, on va lui donner une prolongation. Je trouve ça drôle parce qu'il y a quand même eu des choses encourageantes dans ce match-là. Puis on dirait que je suis jamais d'accord ou jamais d'avis avec monsieur, madame, tout le monde, ses réseaux sociaux. Tout le monde est envoyé chier, genre Torres et tout. Puis c'était comme, il a de l'air à danser tout seul avec la balle pendant comme 5 minutes. Puis ça, il perd la balle. C'est comme, mais oui, mais regarde le big picture. À qui il peut la passer, cette balle-là? À personne. Il est comme, il réussit à tricoter de quoi tout seul pendant 20 secondes. N'importe qui d'autre aurait même pas été capable de la garder, cette balle-là. Fait que, mais en tout cas, peu importe. Hein, reste que c'était un match sur lequel on peut construire. Puis de toute évidence, ils nous ont écoutés hein, parce qu'ils ont joué très, très bien contre Toronto pour se reprendre. Mm-hmm. On va en parler plus tard. Ouais, mais ça que, bref, c'était ce que j'avais à dire, c'était match. Je pense que les sacs, c'est interdit à choc, mais comme, je vais prendre le flag, guys. On va sacrer tantôt. Ah. ouais. C'est ça, un peu un match de merde. Mais moi, mon héros de ça, ce serait Kay Kamara, qui est pour moi le seul qui a essayé quelque chose. Ah. Puis... Moi, il m'a énervé. Ah ouais? Étant un grand buteur comme Kamara, moi, je l'aurais mis dedans, là, surtout sur la deuxième action où ZBG fait une superbe passe. Ah oui, puis il fait un câlin. Puis il veut donner un câlin au gardien. Tu la mets dedans, là, c'est facile, tu veux juste mettre ton pied sur le ballon, puis ça rentre dedans, mais comme... Mm-hmm. Étant lui, moi, je serais frustré. Là. Un peu plus de force et de précision. Ouais, exactement. Okay. Ouais. Mais moi, mon héros, c'est ZBG. Là. Ah, fair enough. Ouais. Ouais, il était vraiment bon. Pas mauvais. Mon héros du match, je pense, ça va être Corbeau, parce qu'on l'a pas vu.
Fait que je peux pas être fâché après quelqu'un que j'ai pas vu. Non, mais c'est un vrai corbeau, il était dans les airs. Ben, c'est ça. Non, non, mais pour vrai, je l'ai pas, corbeau. Il monte. En tout cas, quand on va vendre des gars à l'étranger, il va prendre le relais, là. Je suis pas inquiet pour lui. Oh, ouais, non, mais il restera pas, là. On sait pas. Non, il on verra. On le voit pas. Puis, ben, en fait, l'action qu'on l'a plus vue, c'était le match de hier. Ah, oh, mon Dieu. Et c'est quand il a reçu deux fois des crampons de Rudy Camacho dans le chest. Ouais. Ah, le bon Rudy. Anyway, t'as-tu écouté le match de samedi dernier, Pierre? Ouais, mais non. T'sais, il y a pas... Non, mais je sais pas. Je pense même... Moi, j'ai vraiment trouvé ça vraiment plate, là, décourageant. Tu sais, Austin, en plus, on le sait, là, c'est à peu près le même genre d'équipe que Montréal. Fallait profiter du carton, là, vraiment. Ouais, ouais. Non, c'est... J'ai même pas envie de donner 10 pouces sur quelqu'un. Non, c'est un peu inacceptable. Ouais, vraiment. C'est correct. Sinon, regarde, tout n'est pas perdu parce que hier, oh shit, mais hier on affrontait en demi-finale du championnat canadien le Toronto FC. Ouais. Et c'est soldé par un viandage de 4-0. Oh, ouais. On veut-tu vraiment parler? Honnêtement, pas tant que ça. Moi, je dois avouer, pour une rare fois cette année, je n'ai pas écouté le match. Et j'ai vraiment choisi ma soirée pour pas écouter un match du CF Montréal. Non plus, mais j'avais une bonne raison. Ouais, j'avais une bonne raison, c'est vrai. On avait tous des bonnes raisons. Ouais. Sauf moi. Moi, je travaillais. Ah, ben, ouais. C'est une bonne raison. Je pense que c'est une bonne raison. Ben, je travaille RDS, mais. Ouh, oh, flex. La plug! Ouais, mais yo, flex. One soccer! Ouais, c'est ça. C'est pas grave. C'était tellement frustrant. Là. J'avais la game à ma job, j'étais comme tabarnak. Désolé, j'ai sacré, je prends le flag. Ben non, pas de stress. On va survivre à ça, je pense. Le seul point positif que j'ai aimé, c'est les transitions du CF Montréal. Parce que des fois, Toronto mettait de la pression vraiment haut, puis Montréal arrivait à sortir le ballon comme il faut. Mais à part de ça, les premières minutes de jeu, tu voyais comme Corbeau qui était comme un peu perdu, Camacho perdu. Pantémis, il a été bon. J'ai bien aimé son arrêt dès le début du match. Ouais, pas mauvais. Il était pas payé. Mathieu, il m'a même pas mis en confiance, malgré les... Il était pas payé. Tu préfères Brezza ou tu préfères Pantémis? Je préfère aucun des deux, mais... Je préfère Kederer. Je préfère Evan Bush. Ouais. On se préfère Christian Lich. Décroche de ton ex. Je préfère Christian Lich. Mais c'était pas payé, là. Mais n'empêche que dans l'ensemble du match, c'était vraiment dégueulasse, là. Ouais. Moi, ça m'a fait réaliser qu'il y a beaucoup de postes qui sont déjà genre cimentés au CF Montréal. Ouais. Mais goaler, n'importe qui, n'importe quand pourrait rentrer et changer la balance là-dedans. Là. Mm-hmm. Je serais même pas surpris qu'on rappellerait peut-être Sirois d'ici la fin de l'année faire comme go. Qui sait. Mais sinon, à chaque fois qu'on finit de parler des matchs, je sais pas si vous voulez en rajouter une couche sur le match contre Toronto. Mon héros, Samuel Piette. OK. Que vu que personne faisait rien, lui faisait tout. Ouais. Pour vrai, c'est un petit pitbull. Là. Ah oui. Mais non, mais pour vrai, il était à l'attaque une seconde. Il y a une contre-attaque, puis oups, c'est rendu lui qui est le plus en arrière. Ouais. Puis c'est comme, mais là, il y a du cœur, il y a du poumon, puis il y a des jambes. Canada. Ouais, non, mais puis, zéro au Pantémis, je sais pas le choix. Je l'ai pas aimé, moi, hier. Je l'ai pas aimé. De les autres, tu l'as pas aimé. Tu l'as pas aimé. Non, l'ai pas c'est aimé. Correct. Moi, j'ai peut-être un zéro pour le match d'hier. Je trouve qu'on dirait qu'on commence à manquer de profondeur. Puis pourtant, au début de l'année, je trouvais que c'était une de nos forces. Ouais. Puis là, il n'y avait comme aucune solution. Je sais pas. Il n'y avait pas grand-chose à faire, c'est vrai. Non, moi j'en ai un zéro pour ce match-là. Ouh, let's go. Ouais, j'en ai vraiment un très important en plus. L'assistance au BMO Field était scandaleuse. Ah ouais, combien de personnes? Je sais pas, genre 15 000 à peu près. Rebranding! C'est le rebrand de Toronto. C'est le rebrand. C'est le rebrand. Ils ont changé le nom en 2008, c'est ça! Ouais. Mais non, bref, moi c'est tout. C'est juste que je voyais sur internet après les gens qui chialaient un peu sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde au BMO Field. Je tiens à dire que ça doit être encore de la faute à Gilmore. Ça doit être pour ça. Sinon, moi souvent après les matchs, j'ai tout le temps des petites questions pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à mes petites questions? Toujours. Pour essayer de remettre un peu de joie dans notre cœur, là. Parce que ça, c'est rough, hein. On sent que notre énergie est genre plombée un peu. Ah, là, ben, mais ça, c'est ça. C'est lourd. Ah ouais, moment, deux victoires en 6 matchs, dont une contre Forge. c'est plus rough. Puis contre Cincinnati, on s'attend que c'était un match rocambolesque qui a fini 4-3. Là. Mais j'étais là cette fois-là au stade avec mon père. Fait que j'ai choisi le bon match sur les 6 derniers pour aller voir. Bref,
Dans les petites questions que j'ai, en fait, je sais pas si vous avez vu, il y a des rumeurs qui entourent Zachary Brouillard qui serait relié à une équipe en Ligue 1. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez, ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'il va rester à Montréal ou vous pensez qu'il va quitter Montréal? Parce que moi, je veux juste vous dire, j'ai vu, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais dans les derniers jours, il y a eu une interview incroyable de Zachary Brouillard avec sa maman dans une fromagerie. Je vous invite à aller l'écouter. Je trouve ça incroyable. Je veux pas dire n'importe quoi, je pense que c'est peut-être un de tes collègues d'RDS en plus qui a fait l'entrevue. Okay. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Tout est stagé dans cette entrevue-là. Je vous invite vraiment à aller l'écouter. Tout est stagé, puis il est comme devant sa maman dans une fromagerie, genre à Montréal. Puis il est comme « Salut maman, qu'est-ce que je prends aujourd'hui? » Là, sa maman est comme « Oh, fiston, on va prendre on va prendre le fromage lyonnais pour te rappeler tes racines à Lyon. » C'est que... Oh, mon Dieu. Ça, c'est incroyable. J'ai crié de rire, j'étais tellement content. Puis j'ai un peu envie d'aller dans cette fromagerie-là pour aller saluer maman Brouillard. Là. Fait que, bref, excuse-moi. Elle travaille, là. Ouais, elle travaille, là. C'est... Genre, en tout cas, de mémoire, là, je pense t'expliquer dans l'entrevue, mais il est né au Québec, il a déménagé en France, puis il est revenu au Québec, et sa maman l'a suivi au Québec pour aller travailler dans une fromagerie à quelque part à Montréal. De là, ma question, puis, est-ce aimez-vous que vous pensez... aimez-vous le fromage? Pensez-vous qu'il va quitter, comme selon les rumeurs, ou vous pensez qu'il va rester à Montréal? Je vais me lancer, là, mais moi, je pense qu'il va rester encore une année ou deux, là, parce que je trouve que Patrice a plein potentiel. Ouais, j'allais dans le même sens que Rich. Je pense qu'il est pas prêt à aller... Surtout pas en Ligue 1, là, il est pas assez développé. Moi, si j'étais lui, je serais... T'sais, je ferais ma niche à Montréal encore un peu plus. Puis au moment où tu es au bout du tremplin, ben là, tu pars. Là, tu t'en vas. Surtout, je vais parler côté finance. T'sais, on l'a acheté pour 1 million, je crois. Mm-hmm. Et l'OL ont 15% de revente dessus. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment le vendre 2 millions et plus pour c'est juste pour rembourser l'achat, il faudrait le vendre 1,5. Fait comme ça. Ouais, fait que moi, j'ai l'impression s'il part, c'est que c'est à sa demande. Là. C'est qu'il a demandé à. Aussi, en ce moment, sa valeur est quand même haute parce qu'il reste 3 ans et demi de contrat, plus 2 années d'option, je crois. Ouais. À la fois la même. En tout cas, ça ferait du sens. Mais je trouverais ça dommage quand même de le voir partir. Et j'aurais l'impression que ça finit un peu sur un. Nous laisse sur notre fin. Un là, peu un fromage amer. Oui, comme un bon bleu. Un cendré. Un cendré de Brest. Mais ouais, bref, ça c'était ma première question. Deuxième question, c'est qui le prochain breakout de l'équipe au CF Montréal? Le petit jeune. Prochaine explosion de talent. Ouais. Explosion de talent, j'aime ça comme terme. J'ai juste enlevé saveur puis j'ai rajouté talent. Ça marche. Moi, je t'aurais dit Rida Zoé. Okay. Moi, je le vois vraiment loin. Mm-hmm. Comme un Atiba Chilson 2.0. Genre. Ouais. Même style de jeu, même style en tout cas. Puis je mettrais aussi dans le ballot, comme on dit en anglais. Ouais. Pourquoi pas Alistair? Alistair? Ouais, pourquoi pas. Alistair? Ah ouais? Ben, il n'est pas déjà breakout à MLS. Ah, ok. Ah, tu parles de... Non, okay. non. Ça peut être à l'international aussi. Moi, là. Ah, comme, ok. Toi, tu penses qu'Alistair, lui, il va peut-être exploser à l'international. Là. Ouais. Plus vite, bientôt. Mais moi, j'aimerais que ce soit Zouir en premier, là, mais ça prend du temps, là, mais... Ouais, je comprends. Alistair, ouais. Makes sense. Moi, j'irais pour un jeune de 20 ans qui évolue présentement au Valor FC. Oh, la deuxième personne que j'ai le plus à parler à part Gabriel Slolina. Mais Sean Rhea, on avait une discussion sur lui en disant que comme il sait jouer tout seul, mais il ne sait pas jouer en équipe. Ouais. Mais reste que le gars est rempli de talent, il est très jeune, rempli de potentiel. Ouais. Que si à un moment donné, il s'est donné une chance à Montréal, il va avoir du banc, puis il va comme... tant que tu n'apprends pas à jouer en équipe, tu ne joueras pas. Là. Mais en même temps, là, j'ai commencé à regarder un peu match par match, là, Sean Rhea. Il y a des buts de malade. Il y a des buts de fou. Là. C'est Monsieur Highlight en personne, mais il commence aussi à empiler les passes décisives, là, puis les passes clés surtout. Fait Puis moi aussi, j'allais dire Sean Rhea. Là. Ouais. Je me rappelle qu'au camp, il avait beaucoup fait réfléchir la direction du CF. Vraiment bon. Il était vraiment... Il aurait pu causer une surprise, mais vu qu'on a déjà parlé de Rhea, je vais dire Jonathan Serrois. Situation des goalers est tout croche. Je vois pas pourquoi on lui donnerait pas sa chance. J'ai un nom pour toi. Ok, vas-y. Vous le connaissez sûrement pas, mais il s'appelle Mathieu Catovolo. Ok. C'est un jeune joueur du CF Montréal. Ouais, l'académie. Okay. Ouais. En ce moment, il fait l'équipe canadienne des U20, je crois, pour la CONCACAF, puis. C'est un bon joueur. Incroyable. Il est tout petit,
milieu offensif un peu comme à la Sean Ray. Mm. Puis une bonne patte gauche, bonne patte droite, une bonne vision. Okay. Puis il a un très bon centre de gravité, donc forcément il est très quick, mais à se réveiller. Moi j'aime ça. J'aime ça. Moi, le mien, dès l'année prochaine, parce qu'on va vendre un joueur, je pense que Robert Torkelsen va être un starter indiscutable dès l'année prochaine. Sinon, pour la petite histoire, cette année, Jonathan Sirois, c'est 9 matchs, 14 buts concédés, 2 clean sheets. Mm-hmm. Et Sean Ray, c'est 9 matchs, 2 buts, 3 passes. Ouais. Ça fait du pont sur ma dernière question. On a le temps pour une dernière question, je pense. Le temps. Good. Mais ma dernière question, c'est quel joueur du CF Montréal en prêt en CANPL est le plus susceptible de faire l'équipe dès l'année prochaine? C'était pas stagé, les gars. Oh shit. C'est vraiment ça ma question. On dirait qu'on s'est jasé, mais on se parle jamais. On dirait. Le choix le plus facile, ce serait Sirois. Ah, moi, c'est drôle. C'est même pas un gars qu'on a parlé. Moi, je pense que c'est Carifa Yao. Je pense que c'est Yao qui. Carifa Choco. Ouais, surtout Carifa Choco, effectivement. Il me répond sur Instagram. Je suis tout le temps. Ouais, je lui réponds comme bravo pour avoir fait l'équipe de la semaine. Puis genre, thank you, boy. Je pense que je peux dire que je t'ai mis avec Carifa Yao. Je t'ai mis avec un petit jeune. Ok, ma gueule. t'es plus cool, Simon. C'est fini ce temps-là. Ah, je vais enlever. Ça fait genre une heure que la caméra est sur moi, en plus. On va tasser ça un peu là. Je peux pas croire que ça va être en cam ce moment-là. Mais non, Carifa Yao, surtout que je pense vraiment dur comme faire que dès la fin de la saison, on va vendre des gars. Là. Je pense que Miller va être vendu. Je pense que Johnston va être vendu. Camacho sera pas signé ou donné, genre vraiment. En tout cas, on verra. Puis on verra pour Camacho. Ça me dérangerait pas qu'il reste un an supplémentaire là, s'il arrête de donner des coups de crampons dans les chests du monde. Mais quand Camacho au galop, comme on dit. Non, ça se dit pas, ça, mais peu importe. Mais ouais, je pense que Yao, je pense que Carifa Choco pourrait potentiellement monter avec le grand club. Mais Carifa Choco, ça, ouais. Ouais. Sinon, j'ai écouté un podcast cette semaine puis il posait la question, est-ce que David Chouanière pourrait revenir à MLS? Oh! Avec nous, ça? Qu'importe qui. Je pense qu'il y a le talent pour jouer à MLS. Je sais pas si à Montréal, il y a la place pour lui. S'il peut passer en MLS Next Pro puis faire le même chemin que Mohamed Farsi, moi, pour moi, je le prendrais n'importe quand. D'ailleurs, ouais. Ça, j'ai vu ça, c'est fucking weird. Okay? Tantôt, je voulais écouter le match contre Toronto FC parce que je voulais revoir les highlights. Ben oui, tout. Il y avait une pub de BMO où c'est que la madame de BMO était déguisée en goaler. Elle avait un habit de goaler de CF Montréal, mais elle avait une patch de MLS Next Pro. Ah! À la place d'une page de la MLS, j'étais comme, on n'est pas dans cette ligue-là. Puis j'ai pas pu retrouver la pub parce que c'était sur ma TV. Ah, fait ouais, que j'ai pas pu. Mais j'étais comme, c'est quoi cet Easter egg-là que j'aime de voir? Ben ouais. Fait que la madame de BMO, je te watch. On te watch. Fait que, ouais. Ben ouais. C'est... Fait que moi, ça serait Carifa Yao, je sais pas pour vous. Mais je pense que c'est trois choix très très valables. Ouais, il pourrait tout monter. Que les trois pourraient. Parce que juste faire comme, okay, on va avoir une année de transition. On va baisser un peu les finances, on va laisser la place aux jeunes. Puis peut-être que la fameuse transition va arriver plus vite qu'on le pensait. Ben ouais, là, c'est clair. Dépendamment du fin de la fin de la saison. Là. Pour Yao et on a un appel. Oh! J'espère que c'est Messi. La troisième demi, bonjour. Sure! Oh boy. Salut Cristiano! C'était... Bonjour! C'était... pour vous dire que je suis sur le mur des légendes du Real Madrid. Ah, vous l'aurez appris ici. Mais félicitations, wow. C'est un honneur mérité pour merci, vous. Merci, Cristiano. Sinon, j'aurais été surpris de l'inverse. Hey, sinon, j'ai une question pour vous, M. Ronaldo. Oui. Connaissez-vous un peu les jeunes joueurs de Montréal? Non, non, là. Non, mais je peux vous parler de Anthony Elanga de Manchester United. Ben, très, très bon. Si vous voulez. Ben oui, allez-y. Ben, il est très, très bon, puis il a comme un peu pris la place de Mason Greenwood. Ah, ben oui. Puis là, je vais pas m'étendre sur Mason Greenwood. Hey, okay. On va s'arrêter là. C'est le fun qu'on remplace le CANFC et des sidérés à chaque endroit. Sure, bon, chaud. Est-ce que vous avez besoin de temps? Parce que là... Non, on va être correct. Juste faire un petit salut à Alejandro Garnacho. Si tu peux le croiser dans les vestiaires à Manchester, ça serait apprécié. Oui, l'Uruguayen. Argentin. Oui, Argentin. Oui. Ouais. J'ai parce qu'il y en a deux. Ouais, Cristiano, tu nous enverras des t-shirts, s'il te plaît. Ouais. Des chandails pour toi. Ouais. Bon, ben. T'es vraiment un bon Jack. À la prochaine. Ciao, Christy. Bye. Wow. Wow.
On a-tu le temps? Je vous avais posé une question par écrit. Oui. Pour le mercato qui s'en vient. Oui. OK, bon, ben je vous êtes pas au courant, vous, chers téléspectateurs, mais j'avais juste écrit en privé au gars un peu avant le show, à savoir le mercato s'en vient, le CF Montréal est au fond du baril en ce moment, au fond du baril. Il n'y a plus rien qui nous va. Et j'avais posé la question, ça vous tente-tu de faire un top 3 de joueurs qu'on pourrait potentiellement aller chercher dans le mercato, puis qu'on échange là-dessus? Très fantaisiste. Fait que tout le monde est allé chercher un top 3. Écoute, moi, là, c'est vraiment pas ma force, les joueurs. Fait que non. C'est pas grave. Puis j'étais allé sur Transfer Market, essayer de trouver des joueurs. Puis j'étais comme, je vais pas défendre un joueur que je connais. Zéro. Ok, je comprends. Fait que non, mais je me suis fait une liste, mettons, de 3 besoins que je pense que le CF Montréal peut avoir. Ok. Puis je les lancerai si on, tourne autour de ça pendant la discussion. Parfait. OK, mais y a-tu quelqu'un qui a envie de se mouiller? Ouais, je peux ouvrir la balle. Ouais, vas-y, mon. Vu qu'on est dans le projet des jeunes, ben, j'ai mis l'accent sur les jeunes. Ouais, OK. Donc, je suis allé avec Kays Ruiz Atil. C'est un jeune milieu qui a été formé au FC Barcelone puis qui a été au Paris Saint-Germain. Mm-hmm. Puis sur le transfer market, il coûte 1 million, 1,5 à peu près. Puis je trouve qu'il cadrait parfaitement le style de jeu que Wilfried Nancy aimerait impliquer. Mm-hmm. L'autre choix, c'est un ancien joueur de la MLS, il s'appelle Thomas Chacon. Oui. C'est un ancien de Minnesota United qui était comme désigné comme un joueur désigné, mais finalement, il a juste été un flop parce qu'il s'est souvent blessé. Qui est un Hernan Bernandello. Ouais. Exactement. Nice. Ouais. Comme on aime. Puis j'ai un défenseur, mais lui, c'est un peu plus. C'est un OG, on va dire. C'est Winston Reed. Ouais, parce que je me suis dit avec Camacho qui s'en va, puis peut-être Waterman qui s'en va, puis Corbeau qui s'en va, ben ça prend du renfort au niveau de la défense centrale. Donc, Winston Reed, c'est un gars qui a quand même un bon parcours avec l'équipe nationale néo-zélandaise, avec West Ham, Brentford, puis même avec Sporting Kansas City. Donc, c'est pas mal ça, mon top 3, mon cher. Nice. Le dernier couvre mon besoin numéro 1. Yes. Remplacer Camacho en défensive centrale. OK. Yes. Ben, vous allez peut-être aimer. Ben, je peux y aller avec les miens. J'avais fait un petit top 3 aussi. Moi, je suis allé sur Transfer Market. J'ai fait mon directeur sportif de Toronto, comme d'habitude, puis je suis allé voir les gens qui étaient sans club. Moi, je me doutais que tout le monde allait aller sur la jeunesse là, qui est très Olivier Renardesque comme moment. Hey, j'ai créé un verbe avec son nom. Renardesque. Je pense qu'on va... Ouais, je vais garder ça. Ça va rester. On va des t-shirts. OK. Olivier Renardesque. Donc, mais c'est des gars quand même un petit peu plus vieux, mais j'ai l'impression que justement, on a beaucoup de jeunes aussi dans le pipeline de l'équipe. Puis, on va peut-être potentiellement avoir besoin de... gens plus expérimentés qui vont prendre des positions clés dans les années à suivre. Donc, mon premier est Marcino, un Brésilien de 26 ans. Excusez, parce que quand même, tellement que tu l'as porté, on dirait que tu faisais une charade. Mon premier. Devinez mon joueur. Ouais, c'est ça. Vient d'un pays chaud. OK. Marcino, un Brésilien de 26 ans qui est actuellement sans club. C'est un right back. On aurait peut-être besoin de ça quand Lister... va partir, puis que si ZBG s'en va aussi potentiellement. Valeur sur Transfer Market de 1,6 million, il fit vraiment bien avec l'esprit d'Olivier Renard. Il a contre-performé au Brésil dans l'année dernière, qui a fait plomber sa performance. Puis il est techniquement très fort, moi je pense qu'il fitera en MLS, puis à l'âge qu'il a, ça serait parfait. Mon deuxième, un défenseur central pour remplacer justement Camacho quand il va quitter, Edgar Lé. C'est un Portugais de 28 ans qui vient de terminer son entente en Turquie avec l'incroyable équipe Trabzonspor. J'aime comment tu signes sa valeur actuelle est quand même très élevée. Là, c'est 7 millions de dollars, sauf qu'il est blessé, il est souvent blessé. C'est écrit dans le ciel qu'il veut venir cacher là, sur un dernier contrat MLS. Jamais Montréal va lui offrir l'argent qu'il veut, mais regarde, j'aime ça rêver. Et le dernier, non le moindre, un striker espagnol de 33 ans, Diego Costa. Hey, j'avais pensé quand j'ai commencé à chercher. Oui, ben oui, il est sans club, Costa. Il est sans club. Sa valeur en ce moment sur Transfer Market, c'est 4,4 millions. Là. C'est abordable. Ben, c'est vraiment abordable. On dirait que ça fit dans le genre de deal d'épée que Montréal pourrait aller chercher. C'est un striker d'expérience. Je trouve qu'il fit. On s'entend que, à peine, genre 4 ans, il a été vendu pour quelque chose comme 68 millions. Là. Fait comme. Je sais pas combien il coûterait, mais moi, ça serait le genre de joueur que j'aime ça rêver. J'aimerais ça le voir à Montréal. Fait que c'était ça mon top 3. De mon côté, j'ai fait un top 4. Oh!
Vas-y. Ben, le premier, il a signé hier. Je sais pas, j'ai déjà parlé à ce club-là, Sunderland. Mais ça, mais c'est l'Américain Lyndon Gooch, qui est un allié droit, mais qui joue aussi comme buteur et allié gauche. Et la particularité de ce gars-là, c'est qu'il fait absolument aucun point. Ah! Mais non, mais pour la simple et bonne raison qu'il passe le club avant lui. Il est tout le temps pour le club, par le club. Puis, tu sais, il a fini avec 4 passes, mais comme c'est un fan favorite. Okay. Cette année, puis il a eu un contrat de 2 ans, même si avec la remontée. C'est vraiment un gars comme qui dessert tout le monde, qui va absorber les fautes, qui est un peu un petit maudit. Comme Routy, dans le fond. Ça couvre mon besoin numéro 2 pour le CF Montréal, de trouver la prochaine coqueluche, parce que là, on sait que Mihailovic va partir, puis c'est... Ouais. C'est ça. Fait que la prochaine coqueluche des fans, des fafans qui vont dire... on n'aurait jamais dû le signer. Puis la semaine d'après, ils vont s'acheter un chandail de lui. Ouais, ok, ouais. Puis après, ils vont changer de logo. Puis ça va t'avoir coûté. Regarde, ça, c'est juste moi, ok? Ah, c'est correct. Non, ouais. Mais c'est ça. Lyndon Gooch, qui a désormais 26 ans, donc encore très jeune, seulement 4 sélections par les États-Unis, une valeur de 600 000 sur Transfer Market. Donc ça reste quand même abordable. Un joueur qui a du chien, qui est toujours au service de l'équipe. Sinon, dans la lignée un peu plus fantaisique, slash DP. Mm-hmm. Un Espagnol de 30 ans, Cristian Tello, formé au FC Barcelone, joue présentement au Real Betis, qui son contrat finit là. qui finit là, mais tu sais, il y a encore une valeur de 5 millions d'euros à bon prix. T'sais, on a déjà donné 6 millions à Drogba, pourquoi pas à Cristian Tello, un ancien de l'Académie de Barcelone qui a joué à Porto, qui a joué à l'Espagnol, qui a joué à la Fiorentina, ouais. Qui a joué vraiment dans des grands clubs, qui a gagné des grands trophées. Puis j'ai comme, me semble, pourrait être un solide DP MLS. Puis 30 ans, c'est... C'est encore assez jeune. Il pourrait avoir un contrat de 5 ans, faire une bonne passe de cash. Sinon, le prochain, il est sans club. J'ai fait un top 4 un peu à cause de lui, à cause de Lyndon Gooch. Gooch a déjà signé à Sunderland. Et lui, je le connais absolument pas. Juste que j'adore son nom. Il a le même nom qu'un fighter UFC, Anderson Silva. Oui, je l'ai vu dans la liste aussi. un Brésilien de 24 ans qui a une valeur de 1,5 million, qui joue à l'avant-centre seulement. Il a l'air cool, il a des tatous dans le cou, une moustache, il a l'air malade. Attends, t'es-tu en train de me dire un Brésilien avec des tatous dans le cou? Ça n'a jamais été vu, c'est ça? C'est surprenant. Sinon, dans le grand fantaisique d'épée et projet sportif de Olivier Renardesque, Lee Buchanan, qui est un Anglais de 21 ans, qui vaut 3,5 millions sur Transfer Market, qui est un arrière-gauche, donc quand même un besoin qu'on a, qui a joué 30 matchs en championship anglaise. Donc, un titulaire à 30 matchs sur 46, fait que ça reste quand même titulaire. C'est gérable, là. Mais tu sais, 3,5 millions, 21 ans, sans contrat, en tout cas. Ouais. C'est très renardesque. On dit ça, c'est renardesque. Ouais, exact. Fait que c'est ça qui fait le tour. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à dire en 2 minutes? Ouais, rapidement, l'embauche de Christophe Galtier avec le Paris Saint-Germain. Oui. Très bon choix. Franchement, c'est le meilleur entraîneur que Paris pouvait avoir. Un gars qui porte ses couilles, comme on dit en général, qui a du caractère, qui a du chien. Puis je trouve que le seul problème avec le club parisien, c'est qu'il manque un peu de caractère. Puis ça joue un petit peu les divas, mais Galtier, le connaissant, je suis quand même assez de Ligue 1 en général. Puis je trouve que c'est l'homme parfait parce que lui, il peut tenir son bout devant les superstars. Mais je pense que ça peut causer problème. Mais comparé à Pochettino, n'empêche que Galtier, pour moi, c'est comme le choix numéro 1, sans discuter. Il a tout gagné en France, donc pourquoi pas. Let's go. Yes. Ouais, je suis d'accord. Je suis très, très down sur c'est sur juste cette la Champions approche-là. League qui va me faire un petit peu hésiter parce qu'il n'y en a jamais vécu, mais n'empêche que c'est un bon entraîneur qui est très, très reconnu à travers l'hexagone, comme on dit. Yes. Puis je suis content pour Zidane de ne pas être tombé dans le piège. Non, en tout cas. Zidane n'a jamais dit jamais. Hein. C'est vrai. Fait que, est-ce que c'est tout pour nous cette semaine, messieurs? Oui, monsieur. Parce que ça fait Pierre, le tour. T'as rien à dire? Merci les gars de m'avoir invité. Yes! C'est toi qui as dit je peux-tu venir en tout cas. Ah ouais? Ben, reviens merci à toutes les semaines si tu veux. T'es toujours la bienvenue. Ça fait grand plaisir. C'était tout pour nous cette semaine à la 3e demi. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Et on va se quitter en musique avec Chalet de Commande Bar. Merci beaucoup les gars. On se voit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. À la semaine prochaine. Bon match en fin de semaine. Du foot. Et encore du foot. Yes. 15-0 Montréal. Si! De même. Voyons donc. Et pas personne dans place. Pas personne dans la vie, pas personne qui réalise que ça fait depuis les 70s qui a pas mangé de fucking cerise. J'aurais tellement aimé ça que mes parents aient un chalet sur le bord de quelque chose.
des flots qui savent confondre le bruit des trains, puis des éclairs au bon moment de la journée. À la grandeur des territoires sauvages de dépanneurs, puis qui apprennent à ne pas se batailler pour des affaires de peu d'importance. Hey, it's Alex from Mets, and you're listening to CHOQ Montreal.